Allez, on va y aller. Bonjour à tous, bienvenue sur Astronaute. Donc aujourd'hui j'ai prévu une petite soirée sur du traitement photo. Donc on va traiter la galaxie M33, c'est une galaxie qui est relativement connue. Donc j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas. Ce sera plus simple. Cette fois-ci j'ai préparé donc le petit chat sur un autre écran. Ça va m'aider. Vous m'entendez bien? Ça a l'air d'être bon. Bon, alors, on va déjà commencer par parler de PixInsight. Hein, PixInsight, vous avez sûrement entendu déjà parler de ce logiciel-là. Si vous vous intéressez un petit peu à la photo, c'est le logiciel qui est, on va dire, incontournable quand on commence à vraiment progresser en photographie du ciel. Je dirais même que c'est un indispensable parce qu'il fait tellement de choses. En dehors de. Voilà, il y a Photoshop, mais Photoshop est vraiment pas prévu pour la photo astro. Mais je dirais que Photoshop, il vient en complément de PixInsight. On va pouvoir comment faire avec PixInsight 90% des choses. Je dirais même 100%, mais je dis 90% parce qu'il y a des petites choses où Photoshop est quand même plus intuitif, comme quelques corrections colorimétriques, surtout quand on va commencer à faire du SHO. Donc PixInsight, alors je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu dans la description, j'ai mis à disposition des photos de M33 que j'avais réalisées il y a, alors je crois que c'était en 2017, avec une lunette de 102 mm avec ma caméra Atik 460X, donc avec une roue à filtre, donc c'est une caméra noir et blanc. Donc c'est pour ça qu'on va faire aujourd'hui du LRVB, sauf qu'il faut bien comprendre que pour les images d'APN, qui sont donc des images couleur, ou même avec des caméras couleur, on va exactement traiter de la même façon. De la même façon, tout simplement parce qu'on va retirer la couche de luminance à la RVB et qu'on va ensuite traiter exactement de la même façon qu'on va faire aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde, parfait. Oui, alors c'est un logiciel qui coûte quand même 300 euros. Moi, ça fait combien d'années que je l'ai? Ça fait peut-être 4 ans. 4 ans que je dirais. C'est 300 euros, mais depuis les 4 ans que je l'ai, j'ai toujours eu accès à toutes les mises à jour. Donc il n'y a jamais eu un moment où je n'avais pas accès. Donc c'est mis à jour continuellement avec des nouveaux processus, avec des nouveaux scripts. Il y a plein de choses. Après, comme je le dis souvent, même je le dis très souvent, PixInsight, moi je le considère à part entière, donc comme un équipement à part entière de mon télescope, qui est vraiment fait pour la photographie. Mais c'est sûr que c'est un budget. Quand on a un télescope, par exemple, quand on commence avec quelque chose qui vaut 200-300 euros, bah, ça fait mal un peu au cul de mettre 300 euros dans un logiciel. Donc, mais bon, vous allez voir, c'est vraiment formidable. Alors, on va survoler un petit peu le pré-traitement. Bien sûr, sur la photo que je vous ai montrée, qu'on va traiter, le pré-traitement est déjà réalisé. Sauf que je vais vous expliquer pourquoi et à quoi ça sert le pré-traitement et comment on le fait. Donc on va commencer tout de suite. Donc là, avant toute chose, là, alors là, c'est pas M33 que vous voyez sur l'écran, c'est une autre nébuleuse de galaxie, la galaxie NGC 4236. Mais c'était un bon exemple, donc j'aimais bien prendre cette photo. Alors, quand on ouvre le logiciel PixInsight, à la base, on n'a pas toutes ces petites icônes. En fait, les icônes, on va les retrouver sur le côté, dans Process Icônes, tous ici, donc ils sont tous ici. Mais on va aussi les retrouver dans Process, All Process. Voilà, et autrement ils sont rangés ici. Alors, moi j'utilise. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur comment bien trier ces images. Donc, on va reprendre de zéro. En fait, moi je vais toujours commencer par cette étape. Donc, première étape, c'est vérifier en fait en visuel les photos dans quel état elles sont. Donc, je vais utiliser le petit script qui s'appelle Blink. Je vais charger donc toutes mes photos. Ici, j'en ai 86. Donc je vais cliquer ensuite sur ce petit icône qui va me permettre en fait de visualiser ce que j'ai à l'intérieur de mon image. Alors cette image-là, comme vous pouvez le voir ici, on a une grosse tache, on en a une autre énorme ici. Donc ça, ce sont des fichiers vraiment bruts sortis de l'appareil photo. Donc et ensuite, j'appuie le petit bouton play. En fait, ça me les passe les unes après les autres. Alors je vais mettre un peu plus, voilà, comme ceci. Et je vais vérifier surtout la tête des étoiles s'il n'y en a pas, voilà, qui sont totalement allongées. C'est des images que je ne vais pas utiliser, que je vais supprimer ensuite.
Alors, bien entendu, le tri il avait déjà été fait, donc ici toutes les images qui sont là ont été utilisées dans ma photo. Cependant, on va voir dans le pré-traitement qu'il ne faut pas avoir peur des images comme celle-ci. Donc je vais vous montrer tout de suite, voilà, où on va avoir ici donc les traînées de satellites. Ça, c'est ce qu'on va venir supprimer lors du pré-traitement. Je vais vous expliquer comment ça marche, pourquoi, comment le logiciel fait pour supprimer ces satellites ou alors ces traînées d'avion. Alors les avions, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça mérite d'essayer. En règle générale, les avions, ça crée des traces beaucoup plus grosses qui sont un peu plus difficiles à retirer. Donc bon, si vous avez beaucoup de pauses et que vous galérez un petit peu à supprimer, faut pas hésiter à supprimer une pause, hein, c'est pas grave. Moi, j'en supprime très régulièrement. Je pense qu'en moyenne, je supprime peut-être 10%, 15% de mes images. Voilà, donc les images comme ça avec une toute petite traînée satellite, ça, on garde. Surtout si elle est toute belle comme ça, avec de belles étoiles. Hop, la tablette d'à côté est tombée. On va remettre ça en place. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre tri avec cette petite prévisualisation, bien sûr, on va supprimer directement dans notre dossier ici donc les images qu'on va pas utiliser. Et ensuite, on peut fermer ce petit logiciel. Donc deuxième méthode pour faire un tri. Donc ça, c'est la première méthode, c'est la méthode en visuel. On va faire un tri avec donc en inspectant un peu nos images, à savoir si elles sont voilà la qualité et la finesse des étoiles, c'est très important. Donc là, j'utilise un logiciel. Alors là, ça va être un petit peu long. Je pensais que je l'avais lancé avant, mais j'aurais dû le lancer en arrière-plan. Donc c'est alors ça s'appelle le SubFram Selector. Donc ça va venir étudier notre image et ça va nous donner en fait un chiffre qu'on appelle la FWHM de notre image. Donc en fait c'est la qualité et le piqué de nos étoiles. Donc en fait on va venir trier donc la qualité de nos étoiles du moins bon à la meilleure et on va souvent en utiliser qu'une petite partie de celle-ci. Après ça il faut savoir que c'est l'image de ce qui est, enfin, c'est la représentation de la qualité de votre ciel. En règle générale en France on est à peu près autour d'un signe entre 1,5 et 3, je dirais. Donc, vous allez voir que c'est surtout les images. Hop, par contre, attendez, je vais annuler parce que ça va être beaucoup trop long comme ça, je pense. Hop, on va recommencer. On va en mettre une dizaine. Ah mince. Voilà, sinon, ça va durer 2 heures. Alors, il faut un ordinateur de compétition. Bref, comme je disais, ça représente en fait la qualité de notre ciel. Donc vous allez voir qu'on va avoir une FWHM comprise en règle générale, si le suivi est bon, que l'autoguidage est bon, compris entre 1,5. Alors 1,5 c'est quand même très rare, hein, c'est vraiment des très bons ciels déjà 1,5. On arrive à avoir moins, mais bon c'est vraiment dans des très très bons ciels. Et on va dire jusqu'à 3,5, 3,3,5 c'est déjà bien. Bien entendu, quand il y a un ciel pourri, ça peut monter à 5, 6 et plus. Donc ça, c'est vraiment à éviter. C'est des soirs où il faut vraiment éviter. Alors voilà comment ça se présente, SubFram Selector. Donc bien entendu, ici, il faut rentrer le. Donc ici, c'est là comme. Pardon, l'échantillonnage de votre système. Donc j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez la voir, c'est très intéressant, calculer l'échantillonnage. Et ici on va avoir donc ce qu'on appelle la FWHM. Donc on voit que je suis compris entre 2,3 et 2,6. Comme je vous l'ai dit, c'est déjà des photos que j'avais triées, donc c'est tous entre 2,3 et je crois que ça va jusqu'à 2,7. Je n'utilise pas plus. Voilà, donc après quand on a mis de côté toutes les photos qui nous intéressent, on va maintenant faire le pré-traitement. Donc le pré-traitement sous PixInsight, il y a deux façons de faire. Il y a une façon automatique. Alors j'utilise jamais, je vais peut-être. Est-ce que. Il y a un script spécial pour ça, mais bon, on va pas l'utiliser parce que j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment ça marche. Bref, il y a un script qui marche exactement comme Deep Sky Stacker, pour ceux qui connaissent. C'est un script où on va tout mettre dedans. Il va tout se débrouiller tout seul, sauf que c'est absolument pas optimisé. Donc, dans les photos astro, on va devoir faire donc ce qu'on appelle des dark, des flats et des offsets. Donc, dans le petit fichier zip que j'ai mis à disposition, je vous ai mis un fichier dark, un fichier flat et un fichier offset pour que vous voyez la différence. Donc, on va commencer par le fichier d'offset.
Alors comment on le fait le fichier offset? Eh bien si vous avez un appareil photo numérique pour la plupart, donc il va falloir pendant la soirée, donc parce qu'il faut que ce soit à la même température d'utilisation de la caméra, il va falloir donc boucher votre appareil photo pour qu'il soit entièrement dans le noir et faire des temps de pause le plus bas possible que permette votre appareil photo. Vous en faites une vingtaine et c'est ce qu'on appelle ensuite les bias. Donc ce sont des bias bruts qu'il faut en fait ensuite intégrer en un seul bias qu'on appelle le master bias. Alors à quoi ça va servir? Eh bien dans notre image, dans nos images astronomiques, il y a ce qu'on appelle du signal indésirable. Donc on aime les supprimer ces signaux indésirables pour avoir des images ensuite propres. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc le bias. Le bias c'est le signal de lecture. Et pour voir le bias de ma caméra CCD, eh bien voilà. Ça, c'est tout le signal indésirable de notre caméra. Donc on peut voir ici des petites bandes sur la gauche. Donc tout ça va être supprimé. Voilà, souvent les caméras, les APN, on va retrouver des trames. Ça va supprimer des trames. Voilà. Alors pourquoi il faut faire beaucoup de bias? Tout simplement parce que tout ce qui est reproductible, comme les bandes que vous voyez ici, peuvent être supprimées. Sauf que le bruit qui est complètement aléatoire, en fait, lui, il va être ajouté. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir le minimum de bruit sur nos master bias. Sinon, en fait, on va venir bruiter nos images. Il faut pas confondre le bruit et le signal indésirable, hein. Comme je dis, le signal de bias, c'est le signal de dark et le flat, c'est du signal, c'est pas du bruit. Il faut bien faire attention à la différence. Donc, ça, on peut voir un bias. Donc là, on voit bien qu'est-ce que ça va venir supprimer dans toutes nos images. Donc toutes ces petits traits ici, cette espèce de bande qu'on voit à gauche ici, cette espèce aussi de luminosité qu'on peut voir là, tout ça va être supprimé de notre image, de toutes nos images. Ensuite, le dark. Donc ça, c'est un dark de 300 secondes à une température de moins 15 degrés. Alors le dark, à quoi ça sert? Eh bien, quand on va faire donc des poses longues avec un appareil photo numérique ou une caméra, eh bien en fait la chaleur que va produire le capteur par lui-même va venir être captée en fait par ces photocytes, ces petites cellules photosensibles, et venir charger électriquement en fait ces cellules. Et en fait, il y en a certaines qui sont ultra sensibles et vont devenir blancs. Donc en fait, on voit tous ces petits points blancs. Ici, ce sont des pixels qui sont indésirables, mais qui reviennent tout le temps à la même température et au même temps de pause. C'est pour ça qu'on va faire un max de dark en fait dans la soirée. Donc ça se fait exactement comme le bias, ça se fait donc pendant la soirée d'observation. Donc là, il va falloir mettre la caméra dans le noir et aussi prendre des temps de pause qui seront égaux au temps de pause de vos photos. Voilà, c'est très important. Ces trois paramètres sont les paramètres essentiels. Et en plus pour les appareils photo numériques, il faut bien prendre en compte l'ISO, il faut que ce soit tout le temps au même ISO. Et vous allez avoir donc une petite carte de points comme ça. Donc il faut essayer d'en faire 15, 20, enfin le maximum possible. Pour le même principe, c'est diminuer le bruit du master dark pour éviter de l'ajouter après à nos photos, tout en supprimant donc tous ces petits points blancs. Désolé, c'est un peu long, mais j'aime bien expliquer ça parce que c'est beaucoup ne savent pas pourquoi il faut faire des darks, des flats et des offsets. Donc moi je trouve ça relativement intéressant. Bonsoir à tous, à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Alors maintenant, le plus flagrant, et moi, pour ma part, je pense que c'est sûrement le plus essentiel, le plus important dans la calibration, c'est les flats. Tout simplement parce que, comme je vous ai montré sur la photo de tout à l'heure, elle est où? Je l'ai enlevée, c'est pas grave. On va retrouver sur nos photos donc toutes les tâches, toutes les poussières, tout ce qu'il y a sur notre capteur, tout ce qu'il y a sur nos filtres, eh bien ça va venir pourrir nos images. Donc ce qu'on fait, on fait un flat. Alors comment on fait le flat? Eh bien le flat, il va falloir forcément avoir un écran blanc devant l'ordinateur, ou alors vous pouvez le faire directement sur le ciel s'il fait beau le lendemain matin. Il va falloir prendre un temps de pause donc qui permette d'avoir un histogramme aux 2/3, hein. La moyenne c'est 2/3. Bon, moi c'est souvent j'utilise plutôt 50-60% de l'histogramme. Donc là-dessus, hein, il va falloir vous reporter peut-être à votre appareil photo numérique si vous ne savez pas comment afficher l'histogramme. Je peux peut-être vous montrer quand même quelque chose. Alors, on va prendre une petite photo comme si on faisait un flat.
Ah bah j'ai pas la carte mémoire. Quoi que si, comme ça. Ouais, c'est pas probant. Bon. On va laisser tomber. On trouverait ça plus tard dans un tuto. Ce sera plus simple. Alors voilà. Donc le flat, il se présente comme ceci. Donc tout ce qui est en fait, toutes ces tâches-là vont être supprimées de nos photos. Et donc bien entendu, il faut traiter indépendamment toutes les photos brutes que vous aurez faites dans la soirée. Donc comment ça marche sous PixInsight? Ça c'était un peu pour l'explication. Et bien tout d'abord, on va créer le master bias. Pour ça, rien de plus simple, on va utiliser image intégration. Et on va venir ici donc sectionner donc tous nos fichiers bias, ils vont se mettre en liste ici, ça je passe vite. Hein. Alors par contre, une petite chose à savoir ici en réjection des pixels, donc parce qu'il va vérifier tous les pixels, voir s'il n'y en a pas qui sont pas bons. Donc il faut mettre WinRAW Sigma Clipping. Et ici en Sigma Low Sigma High 4545. Je vais vous réexpliquer un petit peu après quand on va parler de la calibration des images vraiment. De toute façon, si vous ne savez pas, si vous voulez un tuto complet là-dessus avec tous les réglages, j'ai fait un petit fichier sur mon site internet dans le. Je crois que c'est section Driver Traitement Photo PixInsight. J'ai mis un fichier, il y a un fichier très très complet que j'avais fait pour mon association d'astronomie. Pour lors d'une séance, voilà, j'avais fait une petite présentation. Donc vous avez tous ces réglages là, vous pouvez les retrouver sur ces fichiers. Je vous invite à aller voir sur le site, donc www.astronaute.fr, donc section, je crois, traitement photo et PixInsight. Bref, donc on va créer le master bias, donc qui va nous donner l'image qu'on a vue tout à l'heure, celle-ci. Ensuite, avec le master bias, on va venir calibrer nos darks parce que, bien sûr, dans nos darks, il y a ce problème de bias à l'intérieur de nos darks. Donc, on va venir soustraire et enlever donc notre signal de bias à nos darks. Donc, c'est ce qu'on fait dans image calibration, on va sélectionner tous nos darks. Ensuite, on va sélectionner ici notre bias qui est là et on exporte ça. Donc, tous nos fichiers après sont exportés. J'essaie d'aller vite là-dessus parce que ça c'est. Beaucoup d'entre vous utiliseront probablement le script qui fait tout automatiquement, mais là on a le pouvoir de bien faire les réjections des satellites et des avions, donc c'est quand même bien plus pratique. Et ensuite ici image intégration, donc là on va recréer notre master dark. Donc même principe que le master bias. Il y a juste une subtilité ici, il faut bien penser à mettre dans le care all weight égale 1. Et ensuite, on va créer notre flat. Donc, dans nos flats, on a aussi notre problème de bias. Donc, on va retirer notre bias ici de nos flats. On va sélectionner nos flats. Et on va donc pré-traiter calibrer nos flats. Et ensuite, faire l'intégration exactement comme le master bias et le master dark. Voilà. Alors, maintenant, on va lancer un petit peu notre calibration de nos photos. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sélectionner l'ensemble de nos photos. Bon, je vous mets un petit exemple. On va faire ouvrir. On va sélectionner un répertoire donc de sortie. Par exemple, je vais être sur le bureau. On va le faire celui-là. Calibration. Voilà. On va venir sélectionner donc notre bias. Bon, c'est pas les bons bias. Hop, c'est pas ça. Ah si. Donc on va venir sélectionner notre bias, on va venir sélectionner notre dark, master dark 300 secondes, et on va venir sélectionner notre flat. Alors bah, j'ai pas mon flat. Si, master flat L, et voilà, et on lance. Donc là, il va venir pré-traiter, donc calibrer toutes nos photos. Donc il va retirer, donc comme j'ai dit, le flat, le dark et l'offset. Oui, par contre, Clément, tu as bien raison, il est en anglais. Alors, celui qui n'est pas très bilingue, c'est un peu compliqué. Hein.
Alors, Cartivore, comme je disais, en fait, dans PixInsight, il y a aussi un petit programme qui permet, donc un petit script qui permet de le faire exactement comme DSS. On met tout dedans et il le fait tout automatiquement. Après, là, je voulais montrer la méthode pour le faire soi-même, pour avoir vraiment accès à tous les paramètres. Je perds un peu de temps là-dessus, mais je trouvais intéressant parce que là, on va parler un petit peu du Sigma. Je vous ai fait un petit récap pour vous expliquer comment marche la réjection des pixels. Et voilà, donc c'est pour ça que je perds un peu de temps là-dessus. Alors ensuite, donc ensuite, on va venir faire une correction cosmétique. Donc parce que quand on fait une calibration de nos lights, donc de nos fichiers images, mais il reste toujours des petits résidus de pixels. Donc il faut venir les supprimer. Par exemple, en fait, où c'est que je les ai enregistrés d'ailleurs? Sur le bureau. Alors, on va voir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est exactement ça. On vient chercher une image qu'on vient de calibrer. Et en fait, on va venir chercher des petits pixels, des résidus de petits pixels. S'il y en a, bien sûr, je vais pas en trouver. Là, il y en a un petit. Voilà, là, il y en a un. Donc, on peut voir qu'il reste des résidus de pixels. Donc on va faire en fait une petite cache comme ça de prévisualisation. On va venir resélectionner dans notre case ici donc tous nos fichiers. Voilà. On vient sélectionner donc un dossier où ça va être exporté. Voilà. Et ici on va venir sur Autodetect. Et on va sélectionner le hot sigma. Alors moi je fais jamais le cold mais le hot je le fais toujours. Donc ensuite, donc là vous avez vu que j'ai fait une petite case, en fait c'est pour prévisualiser juste cette petite case, donc on vient ici. Donc là on peut voir notre petit point blanc et aussi on va faire une preview. Donc ici il va falloir venir régler ce petit curseur jusqu'à ce que le point blanc il s'en aille en fait. Bon bah là on voit qu'il s'en va tout de suite, donc on va le laisser. Alors normalement il faudrait trouver la balance où il s'en va et où il reste. Bon là il s'en va dès le début, mais voilà, on va le laisser. De toute façon en règle générale ça tourne entre 3 et 5 d'expérience. Donc ici on va remettre 3. Ok. Et ensuite on va lancer donc applique. On va appliquer en global et il va nous supprimer tous les pixels résiduels blancs de toutes nos images qu'on aura mis ici dans cette liste là. Alors là, on peut voir donc le nombre de pixels qui a été affecté. On va voir normalement. Oh, j'ai peut-être mis beaucoup de. Voilà. Donc on peut voir ici donc tous les pixels qui ont été corrigés sur toute la liste. Bon, bref, on passe là-dessus et on va venir ensuite aligner toutes nos images, donc avant de les intégrer en une seule image. Donc on va venir sur Star Alignment. On va l'aligner sur. Alors en règle générale, il faut aligner sur l'image qui a la FWHM la meilleure. Donc c'est ce qu'on a vu au tout début. C'est pour ça qu'il faut noter dans un petit coin l'image avec laquelle vous allez utiliser. Donc c'est celle qui aura la FWHM, donc la plus basse. Donc ici, on va sélectionner donc une image. Hop. On va venir ajouter donc toutes nos images qui ont été calibrées et on va sélectionner un nouveau dossier aligne. Voilà. Et là vous retrouverez donc dans le petit fichier que je vous ai mis à disposition donc tous les paramètres qu'on peut retrouver ici. Je crois qu'ici c'est pas par défaut mais à confirmer. C'est surtout en alignement quand on est en bin 2 qu'il faut faire attention, c'est pas la même chose. Bien sûr, ça m'a supprimé. Voilà. Et on va lancer. Alors, je vous le dis, hein, l'ordinateur, si vous avez quelque chose qui date de plus de 10 ans, ça va être très compliqué. Hein. Surtout pour les images d'APN, qui sont des images plus lourdes en fait que ma petite caméra Astro.
car le capteur il est plus gros, les fichiers vont être plus lourds et donc forcément ça va être beaucoup plus long. Donc voilà, les images ont été toutes alignées et maintenant on va venir intégrer donc en une seule image toutes nos photos. Alors je vais essayer de vous expliquer une chose parce qu'il y a un gros mélange qui se fait. Il faut arrêter de dire que une image de si on fait une pause de 60 minutes, on avait la même chose que quand on fait 60 images d'une minute. Faut arrêter de dire ça, hein, c'est absolument pas vrai. Quand on multiplie les images, on n'augmente pas le signal, on diminue le bruit. Faut bien comprendre ça parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. On n'additionne pas du signal, on diminue le bruit de l'image. Donc ce qui nous permet par la suite en fait de venir donc monter et pouvoir traiter plus profondément notre photo et révéler plus de détails. Mais en aucun cas on va augmenter le signal. Hein. C'est très très important, il ne faut pas tout mélanger. Donc ici, maintenant on va venir sélectionner toutes nos photos. On les ouvre. Et ici, alors, le format 1. Alors ici on a deux combinaisons possibles, donc c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc on a average ou alors on a médiane, donc c'est les deux qu'on va utiliser. Ici on va utiliser donc la moyenne. On va tout de suite voir à quoi ça correspond parce que ça c'est pareil, c'est très flou pour beaucoup de monde. Donc je vais vous montrer et vous expliquer à quoi ça correspond. Et ensuite ici la méthode de réjection, donc ça c'est des algorithmes, je passe, hein. Il y a des algorithmes meilleurs que d'autres en fonction du nombre d'images qu'on a. Je vous conseille Sigmaclipping ou WinRAW Sigmaclipping si vous avez vraiment plus de 15 photos. Et ensuite, on va venir ici régler ce qu'on appelle les Sigma Low et les Sigma High. Et c'était là où je voulais en venir, tout ce préliminaire de tout ça pour vous expliquer ça. Donc, comme vous avez vu, on a des passages d'avion, des passages de satellites sur nos photos. Avant, quand je commençais l'astrophotographie, ben, je disais mince, encore une photo que je vais mettre à la poubelle, ça fait chier. Sauf que pas du tout. Il faut arrêter de supprimer les images quand vous avez des satellites car les logiciels vont les supprimer automatiquement. Grâce justement à ce que je vous présente ici, la réjection de pixels grâce au Sigma Low, Sigma High. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vous ai fait un petit schéma, c'est ça qui est un petit peu intéressant. Alors il faut imaginer ici que chaque trait ici c'est une image. Voilà, on a fait par exemple 50 images et ici c'est un seul pixel. Donc, et le même pixel de chaque image. Donc on va voir. Donc il y a des fois il y a des petits passages nuageux. Et même quand il n'y a pas de passage nuageux, je veux dire le ciel il est un petit peu turbulent. La luminosité du pixel va différer, voilà, de temps en temps. Donc on peut voir ici les points. Donc ça c'est la luminosité par exemple des pixels. Donc on peut voir que parfois, oh, il est beaucoup plus noir que d'habitude. Et que parfois, oh, il est beaucoup plus brillant que d'habitude. Donc le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire avec cette méthode average? Donc c'est la moyenne. Donc il va additionner la valeur de tous les pixels et il va diviser par le nombre d'images et ça va lui donner donc en fait la moyenne. En moyenne, ce pixel-là, il est à telle valeur. Donc voilà, on a la moyenne ici en vert. Donc qu'est-ce qu'on a en rouge? En rouge, ça correspond en fait au sigma high et sigma low. Donc en fait, c'est la différence entre la moyenne et la valeur qu'on dit, ben, s'il est en dehors de cette valeur-là, je rejette le pixel. Je rejette pas la pose, on la supprime pas, hein, l'image. Hein. On rejette le pixel, on va lui donner en fait au pixel la valeur de la moyenne. Donc qu'est-ce qui se passe? Imaginez ici, il y a un passage avion de satellite, par exemple. Ah, ben, le pixel est vachement plus gros et vachement plus lumineux. Donc ben, on l'a détecté qu'il est beaucoup plus lumineux. Donc on va changer cette valeur-là donc de luminosité par la valeur ben, qu'il a en moyenne. Donc en fait, notre satellite, il disparaît. J'espère que cette petite explication vous aura servi à comprendre comment marche voilà, l'intégration et la réjection des pixels. Moi, je trouvais ça très très intéressant de vous expliquer. Donc voilà, c'est le but de ces curseurs ici, c'est venir jouer donc en fait sur ces barres rouges là. Donc où on va aller plus haut et on va accepter ces pixels là, où on va aller plus bas et on va en rejeter plus. Donc plus on va aller bas comme ça, plus on va rejeter de pixels. Et cela c'est pareil, plus on va aller bas, en fait on va diminuer l'écart entre les deux. Donc plus on va remonter et plus on va rejeter de pixels. C'est pour ça que bah, les curseurs, il y en a 10 sont à l'envers, mais ils sont absolument pas à l'envers. Hein.
Bref, voilà. Allez, on lance ça pour voir. Bien sûr, là, c'est pas M33. On va passer après sur le traitement, juste après. Donc ici, on a une valeur de réjection. Donc, hop, quand tout va bien, quand il n'y a pas trop d'avions, ben c'est où? Pas trop d'avions de passage, en fait, ici, il faut considérer une valeur de réjection à peu près à 0,05. Donc là, on rejette trop de pixels. Donc ici, on a quand même une carte de ce que le logiciel a rejeté. Donc tous ces petits pixels, par exemple celui-là, là, ce petit amas, c'est ce qu'il a rejeté. Il a détecté qu'il y avait un problème à cet endroit-là. Et s'il y avait un passage de satellite, eh bien, on verrait des grands traits en travers de l'image. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que vous avez compris le principe. Et là, ensuite, on a notre image qui correspond donc à l'intégration des. Moi, j'avais 80 images là, à peu près, donc des 80 images. Enfin, pas sur celle-là, mais sur celle que j'avais réalisée. Bref, donc, on se retrouve ensuite quand on a fait tout ça. C'est un peu long, mais c'est sûrement. Moi, ça prend vraiment un tiers du temps hein, en général. Hein. Donc, quand. On a fini tout ça, on se retrouve donc avec une image de luminance, donc fait avec un filtre clair, transparent, avec un filtre infrarouge, un IR cut. Et donc en fait on a quatre images, une image de luminance, une image avec un filtre bleu, ici vert et ici rouge. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dans ces images. Alors volontairement je la laisse noire comme ça. Tout simplement parce que ça, c'est vraiment l'image qui est sortie de notre logiciel. Pour l'instant, elle est noire. L'image, ou quasiment, on voit juste les étoiles les plus brillantes, un petit peu la galaxie, mais voilà. L'image, elle est noire. Donc, PixInsight permet quelque chose même de tous les logiciels, j'ai trouvé que c'était la meilleure visualisation de tous les logiciels. C'est de, sans même faire un traitement, de permettre de voir ce qu'il y a dans notre image. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on va utiliser tout le temps. Hop, je vais. Reloader un truc. Non, c'est pas ça. Voilà, faut que je change de nom. Donc PixInsight, il a un petit processus qui s'appelle donc Screen Transfer Function, désolé pour l'anglais. Il se trouve ici. Donc ici, si vous pouvez mettre des raccourcis, en fait, vous faites glisser les symboles. Pour vous donner un exemple, on va prendre celui-là. Hop, bah, Screen Transfer Function. On le fait glisser. Il se trouve ici. On peut lui changer son nom. Prendre, on va mettre STF. Et quand on double-clique dessus, il apparaît là. Sauf que là, il apparaît donc avec tous les réglages qu'on lui a apportés. Donc là, c'était de base. On lui avait rien apporté. Donc on peut même mettre une petite description si vous vous souvenez plus comment ça marche, comme par exemple ici, je mets des petits pense-bêtes quand je me souviens plus. Donc voilà notre image d'M33, donc on va cliquer sur ce petit bouton qui se trouve ici. Donc ça a pour but de stretcher l'image et de révéler ce qu'il y a dedans. Donc ça donne vraiment un premier aperçu de ce qu'il y a vraiment dans notre image. D'ailleurs, quand vous avez eu une brute et que vous voulez voir s'il est de bonne qualité, eh bien vous la passez directement dans PixInsight et vous pouvez voir vraiment la qualité de votre image révélée. Donc voilà à quoi ressemble la galaxie donc M33 que j'avais fait en 2017. Il y a 5 heures de pause, il me semble. Avec un Newton. Non, c'était une lunette de 102 mm. Ouvert à 7. Donc voilà. Donc on va commencer toujours, enfin toujours. En fait, on va faire deux choses là. On va ressortir donc notre image de rouge, de vert et de bleu. Donc ça, c'est les trois couches qui nous permettent d'avoir la couleur. Ah, on voit un petit défaut et un pixel noir là. Donc on va tout de suite créer l'image RGB avec ces trois couches. Mais tout d'abord, on va faire un truc. Hop, non, c'est pas ça. Donc on a un petit script, un petit process qui nous permet d'en fait d'équilibrer déjà les trois images. Sinon, on va avoir des images avec des couleurs complètement déséquilibrées. Donc ça permet de donner une base. Donc ça s'appelle Linear Fit. Donc on va sélectionner l'image de référence. Maintenant, on va prendre la couche rouge. Donc, et maintenant, le logiciel, il va aligner, par exemple, la couche verte ici. Donc ici, V, c'est vert.
par rapport à cette couche rouge, je veux dire la luminosité du fond du ciel. Voilà. Et on va faire la même chose. Hop, pas celle-là, ça c'est la couche rouge, avec la couche bleue. Voilà, maintenant on a nos couches qui sont à peu près au même niveau. Et maintenant on va donc combiner nos trois couches rouge, vert et bleu. Donc ici on a RVB combination. Donc on le retrouve bien entendu dans la liste ici. Hein. Ou alors dans, ça doit être image ou color. Enfin bref, on le retrouve là-dedans. Je vais pas perdre du temps à chercher ça. Donc ici dans la couche R, donc on va décocher la couche la L, on va venir sélectionner la R, ensuite ici la couche V et ici la couche B. Et quand on va cliquer sur le petit rond, il va nous créer donc notre image couleur. Voilà, donc ici on va renommer. Pour renommer, on va cliquer sur le nom deux fois. On va mettre RVB. Oups, je me suis trompé. On peut fermer ça et on peut voir ici notre couche couleur. Voilà, donc ça c'est notre couche qui a été faite en bin 2, c'est-à-dire j'ai utilisé une capacité de la caméra qui me permet d'augmenter la sensibilité de la caméra par 4, mais le désavantage c'est que l'image est divisée, la taille de l'image est divisée par 2, donc on perd en résolution. Ce n'est pas bien grave parce que la résolution en fait on va la voir dans la couche de luminance qui est ici. Donc ça nous sert uniquement à coloriser l'image de luminance qu'on a ici. Voilà, pour être presque en bin 3, ça gênerait pas, je pense. Hein. Après, faut pas abuser non plus, parce qu'après, on va avoir des, je sais pas, des artefacts, mais bon, voilà. Donc là, on reviendra sur cette image-là un petit peu plus tard. Alors maintenant, on va s'occuper donc de notre image de luminance. Hop, je vais. Voilà. Alors, tant que je n'ai appliqué aucun traitement de montée d'histogramme à l'image, on appelle ça une image en linéaire, c'est-à-dire toute l'information de l'image est encore comprise dans l'image, on ne vient rien enlever. Donc, c'est pour ça qu'on peut travailler comme ça, en voyant grâce au STF notre image de cette façon, mais la vraie image, je vous le rappelle, elle est comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur notre image ici? On peut voir qu'il y a peut-être, et encore il n'y a pas trop, j'avais pas trop, j'avais un bon ciel à l'époque. On voit qu'il n'y a pas trop de gradient. Sinon il y a un outil qui est ultra puissant. Alors il y en a deux à vrai dire. Ça s'appelle Dynamic Background Extraction. C'est très puissant si vous avez un gros dégradé, par exemple en biais comme ça, à cause de la pollution lumineuse ou quoi, et ça nous permet vraiment d'enlever. Donc on va faire un essai par exemple. Si je fais ça, il va pas m'en mettre. Donc ici, on va mettre à 1. Voilà. Donc en fait, on va faire un quadrillage. Le mieux est de le faire à la main. Hein. Je vous le répète, le mieux c'est de le faire à la main parce qu'il faut absolument éviter les zones claires. Donc on peut décaler ici dans les zones où il n'y a pas d'étoiles, où il n'y a pas la galaxie. Voilà, on dirait que c'est pas mal. Là par exemple c'est pas bon, on voit que c'était sur une étoile. C'est très important, hein. Il faut vraiment venir bouger tous les petits carrés pour éviter qu'ils soient sur des zones lumineuses, ou même ici, pas trop sur les bords. Voilà, hop, on va les pousser un peu. Ici, c'est bon. Là, on va pousser un peu. Parce que lui, il va calculer en fait la luminosité donc de chaque petit carré. Il va en déterminer voilà, comment elle a été dégradée par la pollution lumineuse. Par exemple. Là, par exemple, c'est pas du bon du tout. Faut pas que ce soit dans la galaxie. Voilà. Hop, hop, celle-là pas bon. Tout ça, on va descendre, ça aussi. Faut s'éloigner de la galaxie. C'est sûr qu'en live, c'est pas pratique, je peux pas faire une avance rapide.
Mais voilà, ça permet aussi, si vous avez des questions sur le traitement, faut vraiment pas hésiter. Même pas forcément avec PixInsight, hein, sur des choses que vous comprenez pas ou pourquoi. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait notre petit quadrillage de points, on va venir dans Target ici, on va faire donc une soustraction. On va normaliser le fond du ciel. Et ensuite on va appliquer. On pourrait faire donc supprimer donc il va créer un modèle de background de fond. Mais justement je vais le garder pour vous montrer ce qu'il supprime. Alors. Ah oui, je vais mettre replace image. Hop, on va recommencer. Donc là, on va remplacer l'image qui est là. Voilà. Alors voilà ce qu'il a détecté. Donc on voit qu'il y avait quand même un gradient dans les coins. C'était un peu plus sombre. Donc nous, il nous a rééquilibré toute l'image. On peut peut-être faire un avant après. Donc ça, c'était après. Voilà. Après, ça me plaît pas beaucoup parce qu'à mon avis, il y avait peut-être des points qui se trouvaient là. Et ça m'a assombri un petit peu. J'avais peut-être oublié un point. Bon, bref, vous avez compris le principe. Là, c'est pas très flagrant, mais du coup, moi, je préfère pas l'utiliser. Après, on peut l'utiliser plusieurs fois ou on peut le réutiliser quand même un peu plus tard dans le traitement. Bon, alors maintenant, on va tout de suite, avant même de commencer la montée d'Iskraam, on va donner un peu plus de détails à notre galaxie. Donc, première chose qu'on va faire, on va faire de la déconvolution. Alors, ça c'est pareil, vous avez peut-être entendu ça, c'était un système qui était utilisé à l'époque par les ingénieurs qui utilisaient le télescope Hubble avant qu'il soit corrigé optiquement, dans les années 1996, je crois. Et ça permettait en fait de rattraper ces erreurs optiques. Donc en fait ça s'était adapté après avec des algorithmes donc au grand public. Et on a la chance de retrouver ce type de processus. Donc en fait comment il marche ce processus? On va venir regarder un peu la tête qu'ont nos étoiles. Donc pour ce faire on va utiliser... pourquoi je l'ai pas là? Donc c'est dynamique PSF. Dynamique PSF, voilà. Et on va venir en fait sélectionner un tas d'étoiles, pas trop petites, pas trop grosses. Donc les étoiles qu'on va demander au logiciel d'étudier. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier la déformation et par rapport à cette déformation-là, il va créer, je sais pas, un effet inverse qui permet en fait de rendre les étoiles un peu plus fines. Et par rapport au calcul de déformation qu'il aura trouvé. Donc en fait, ça va venir recréer le détail comme si notre optique était parfaite. J'exagère, hein, c'est pas parfait, mais voilà, c'est le principe qu'utilisait Hubble pour pallier à son problème optique. Et qu'on a accès maintenant. Donc on va essayer d'utiliser à peu près une vingtaine ou une trentaine d'étoiles. Alors évitez d'utiliser les trop grosses, moi je préfère utiliser les plus petites, voilà les tailles moyennes. Combien on en a là? On en a 21, allez, donc on peut voir ici, donc toutes les données d'FWHM et compagnie, donc on va toutes les sélectionner avec CTRL A, et on va cliquer ici sur le petit appareil photo. Donc ça a pour but de recréer donc une image d'une étoile. En fait ça va prendre la moyenne de l'étoile, voilà. Il a calculé qu'en moyenne la déformation de l'étoile elle ressemble à ça, donc on voit qu'elle est peut-être légèrement allongée dans ce sens, donc on va la mettre de côté. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut surtout venir traiter notre galaxie, non pas le fond du ciel, parce que dès qu'on va créer un traitement, n'importe quel qu'il soit, on va venir bruiter le fond du ciel. Donc on va venir protéger notre fond du ciel avec ce qu'on appelle un masque pour pouvoir vraiment traiter uniquement les parties qui nous intéressent. Donc comment on va faire un masque? Donc nous on veut venir traiter les étoiles et la galaxie sans toucher au fond du ciel. Donc on va faire une copie de cette photo-là en faisant glisser et on va venir faire une montée d'histogramme. Donc ici on a donc histogramme transform. Donc on vient cocher
donc sélectionner notre image. On vient ici pour que l'histogramme soit actif par rapport à l'image qu'on a sélectionnée. Et on va venir faire une montée d'histogramme classique. On sent glisser donc nos curseurs. Donc ça c'est le gris. On vient jamais toucher le blanc. On vient toucher le noir et le gris. Les tons moyens. Voilà. Hop, ici on vient assombrir le fond du ciel. Si vous voulez voir ce que ça fait, on vient cliquer là. Il y a une preview. Voilà. Et on va venir en fait faire devenir blanc les zones où on veut que ce soit traité. Que quand on va venir appliquer notre traitement, ce soit appliqué sur cette zone-là. Et tout ce qui sera noir de cette image-là, en fait, ce sera pas touché. Donc c'est pour ça qu'on peut venir donc assombrir le fond du ciel. Par exemple de cette façon. Voilà, et venir faire briller la galaxie. Voilà. On va même assombrir encore le fond du ciel pour être sûr que ce soit pas touché. Et voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle un masque. On va changer de nom. On va double-cliquer. On va mettre masque luminance. Donc, on peut voir aussi que ça bruite quand même beaucoup. Donc, on va y appliquer donc un flou. Moi, j'aime bien utiliser le flou. C'est marrant, pourquoi je les ai pas là? Tic, 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 tic. Il me manque des choses. Tampon. Ah non, convolution. Voilà. Donc, convolution, on vient créer un flou, comme vous avez pu le voir sur l'image. Ensuite, quand le gros problème de ces traitements, en fait, je regarde la tablette alors que la caméra est là. Le gros problème de ce traitement, c'est que ça va créer des gros halos noirs autour de nos étoiles qui sont vraiment disgracieux. C'est vraiment pas beau. Donc, ce qu'on va faire, on va venir aussi protéger nos étoiles, lui indiquer, bah voilà, voilà la carte des étoiles que je veux que tu protèges. Donc, on va faire un masque d'étoiles aussi. Donc, les masques, on va les mettre en bas. Donc on a des processus automatiques qu'on ne trouve pas sous Photoshop. Photoshop, il faut faire un tas de choses pour avoir un masque d'étoiles, c'est juste horrible. Alors que PixInsight, il fait tout ça automatiquement, c'est juste formidable. Donc on a juste à jouer sur quelques réglages. Ici, alors il y en a, ils vont vous dire, ouais, moi je joue sur le noise en fonction du bruit du fond du ciel que je trouve dans les statistiques. Oubliez tout ça, hein, on n'est pas là pour... Ouais, non plus. Donc il y a une chose très simple, si on va venir... Régler juste sur le curseur, plus vous allez aller à gauche, plus vous allez révéler d'étoiles. Et après ici, vous pouvez venir régler donc sur quel type de finesse d'étoiles vous voulez jouer, donc ou les grosses ou les petites. Par contre, c'est très difficile d'avoir les deux à la fois. Il y a d'autres techniques qui nous permettent d'avoir les deux à la fois, mais bon, je vais passer parce que c'est un peu long. Et on va ensuite appliquer à notre image. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors désolé si je fais du gros blabla, mais c'est vrai que c'est un logiciel qui demande beaucoup de... Il y a beaucoup de choses à dire. Alors comment je détermine mes temps de pause? Eh ben ça c'est une question pas bête hein, pour l'aparté. On va... En fait je vais regarder... Déjà, par expérience, maintenant, je sais que en voyant le ciel à l'endroit où je vais prendre mes photos, que je vais pouvoir faire des temps de pause très longs ou que ça va être très compliqué. Après l'expérience, c'était suite à des tests. En fait, il faut venir regarder donc l'état du fond du ciel de ton image. En fait, il ne faut pas qu'il soit trop élevé, mais il faut quand même qu'il soit plus élevé qu'un bias. Je veux dire, quand tu vas faire du H alpha. Tu vas avoir un fond du ciel qui sera très peu lumineux, sauf que quand tu vas avoir des problèmes après avec tes bias quand tu vas faire tes pré-traitements. Bref, en fait, moi, avec tous mes essais comme ça, j'ai déterminé que à peu près partout, des temps de pause moyens de 180 secondes pour le ciel où je suis pas très loin des villes, ou 300 secondes avec ma caméra, je parle là, ça dépendra de votre caméra. Ou alors 300 secondes de temps de pause quand je suis vraiment dans un ciel noir, comme quand j'étais en Auvergne, là-bas j'arrivais à faire des 300 secondes, mais c'était juste formidable, enfin c'était un très 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 bon ciel. Si vous avez l'occasion d'aller dans le Puy-de-Dôme, dans les montagnes par exemple, ou encore mieux dans le Cantal, ramenez le matériel. Hein. Après, oui, pour les temps de pause,
Pour les temps de pause, après on rachat alpha, il n'y a pas trop de problème. Plus vous faites, mieux ce sera. Moi je fais des temps de pause quand j'utilise un filtre rachat alpha de 900 secondes. Quand je fais du bin 1, donc en pleine résolution, donc quand le capteur il est pas quand il a sa sensibilité de base, on va dire. Et en bin 2, je vais faire des 600 secondes en bin 2. Voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, pour revenir à nos moutons, on a notre carte d'étoiles. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça correspond bien à nos étoiles. On va lui donner un petit peu plus de pêche en faisant une petite courbe. Voilà, on va monter ça pour que les étoiles soient un peu plus lumineuses. Voilà. Et on va mettre ça de côté. C'est notre masque d'étoiles. Star Mask. Voilà. Donc maintenant, les choses intéressantes vont commencer. Oh, j'ai l'impression d'avoir saoulé tout le monde, quoi. C'est vrai que c'est un peu long. Pour les lives, ça c'est. Mais bon, c'était une expérience. J'avais posé la question à savoir si les gens voulaient qu'on travaille un peu ensemble ou avec des fichiers que je leur donne et on m'avait dit oui. On va voir. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir traiter notre photo. Ça y est, on va commencer à y toucher un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que de lancer le traitement sans savoir ce que ça va donner sur toute l'image et pour que ça prenne 2 heures, ça sert à rien. On va venir faire une petite preview ici, donc c'est la petite case ici, c'est une prévisualisation et on va faire un petit carré. Donc on va tout nos traitements, on va d'abord l'appliquer sur ce petit carré parce que ce sera beaucoup plus rapide et on va tout de suite voir le résultat avant de l'appliquer donc à notre image, sinon en fonction des ordinateurs ça peut prendre plusieurs minutes. Donc dès qu'on fait un petit carré avec ça, il apparaît là, donc sur le côté de l'image sur laquelle ça a été fait. Voilà, donc c'est ici. Donc quand on clique dessus, eh ben, on a un zoom sur la zone. Voilà, j'aime beaucoup cette zone-là. Elle a un gros tas de H alpha ici, c'est très intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, il faut qu'on applique le traitement uniquement sur la galaxie et non pas le fond du ciel, c'est très très important. Donc la galaxie des étoiles. Donc on va reprendre ici notre masque. Alors comment on va l'appliquer? Donc il faut bien sûr, là comme ça, le logiciel ne sait pas qu'on veut appliquer un masque. Eh bien pour l'appliquer, c'est très simple. On va rester cliqué sur notre masque. On va le faire glisser sur la barre à côté de l'image où on veut l'appliquer. On lâche. Et là, vous voyez que l'image devient toute rouge. Donc en fait, les zones qui sont très 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 rouges, ce sont les zones qui sont protégées. N'importe quel traitement qu'on va faire sur cette image, quand elle est comme ça, eh bien la zone rouge ne sera pas du tout affectée. Et les zones qui sont par transparence, on voit la galaxie. Ce sont les zones qui vont être affectées par le traitement. Bien entendu, je conçois que c'est pas très pratique de traiter quand l'image est toute rouge comme ça, on voit absolument rien. Donc on va venir dans masque, ici on va faire show masque. Donc ça permet de l'afficher ou de le désafficher. Ça ne l'enlève pas. Comment on sait qu'il est actif? Parce qu'en fait les symboles sur le côté à gauche, il est marron. Donc là on sait qu'on a un masque. Faites-y très attention parce que si vous l'oubliez, n'importe quoi que vous ferez après, en fait, vous le ferez que sur l'endroit que le masque aura décidé. Hein. Donc ça, des fois on oublie, on va faire une combinaison de la luminance avec la RVB et en fait on se rend pas compte tout de suite qu'on avait le masque et on a des résultats complètement improbables. Donc voilà, on va venir sur notre preview et on va donc lancer le processus déconvolution qui est ici. Voilà. Donc c'est un processus qui est par itération, c'est-à-dire il va créer plusieurs fois le traitement et on peut déterminer le nombre d'itérations. Ça se trouve dans la case qui est ici. Donc PSF, donc on peut créer une étoile artificielle si vous n'avez pas créé d'étoile à proprement dite comme on l'a fait tout à l'heure, hein, qui correspond à la moyenne des étoiles de notre image. Donc vaut mieux quand même le faire parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc en plus vous avez vraiment la vraie déformation de votre étoile. Alors je tiens à préciser que si vous avez un gros problème de suivi, c'est mort, ça va pas corriger les étoiles, vous n'aurez pas d'étoiles rondes, hein. Faut bien faire attention, c'est pas fait pour ça. C'est fait essentiellement pour corriger quelques défauts d'optique, mais ça a quand même sa limite, hein. Les patates comme ça va pas les corriger. Hein. Donc on vient sélectionner ici notre image PSF qui se nomme PSF. Moi j'ai déjà enregistré les paramètres, c'est déjà indiqué. Ici on va rester sur pour l'instant, allez on va mettre 15 itérations. Et ici on vient donc régler pour éviter d'avoir donc des halos noirs autour de nos étoiles.
Donc d'expérience, alors avant toute chose, il faut venir ici sélectionner votre masque d'étoile. Donc on va venir sélectionner Star Mask. Ok. Et ici on va venir régler le Global Dark. C'est ultra important. D'expérience, je sais tout de suite que ben, il faut pas le laisser comme ça, il faut le diminuer. Et après, il va falloir se fier à ce que la petite console ici vous dit. Donc on va tester sur la petite preview. Donc pour appliquer notre traitement, on fait ou glisser comme ça le petit triangle ou on appuie sur le carré. Moi, je préfère faire avec le petit triangle. Voilà. Et le traitement ici a été appliqué quand même relativement vite. Donc là, on peut voir, ça c'est l'avant, ça c'est l'après. Voilà, l'avant, l'après, l'avant, l'après. Alors, un bon. Alors, par exemple, tiens, si je remets 1000, on peut voir ce que ça donne. Bon, il y a eu moins d'impact. Après, il y a un bon moyen de savoir si votre traitement est bon. C'est si, en fait, ici, vous avez des erreurs. Par exemple, si vous étiez à 2600, là, 2900. Voilà, on peut voir dans la console ici qu'il y a eu des erreurs. Donc, ça, c'est pas bon du tout. Et de toute façon, vous le voyez à l'image, c'est dégueulasse. Donc ici, on va le réduire. Ensuite, on peut venir vérifier la taille des étoiles. Donc avec un avant-après. Là, c'est avant. Après, on voit que ça n'a pas trop changé. On voit qu'ici, ça a quand même augmenté un peu les détails. Mais bon, on peut se dire qu'il y a mieux. Donc vous venez ici baisser votre Global Dark. Et vous le faites jusqu'à ce que les étoiles commencent à devenir plus fines. On peut voir, par exemple, sur les grosses étoiles ici, que ça devient plus fin. C'est intéressant là. Et les détails, ils montent beaucoup. Alors, faut savoir qu'ici, c'est un zoom deux fois. Hein. Voilà, le vrai zoom, c'est là. Et après, on peut descendre encore un peu, pardon. Voilà. Donc, on peut voir les détails qui se révèlent à l'intérieur. C'est pas mal. Donc, on voit vraiment que les étoiles, elles deviennent plus fines. Ça, c'est vraiment le symbole que le traitement, il fonctionne bien. Et voilà, alors une fois que vous êtes satisfait, il faut bien sûr l'appliquer à toute l'image. Donc on va revenir ici sur notre image générale. Et pareil, on fait glisser. Et on attend. Voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus long. Alors, Cartivore, moi je travaille sur Photoshop, pas du tout. Je travaille uniquement sur Photoshop. Donc je travaille sur Photoshop uniquement en SHO. Parfois, PixInsight est pas très très bon. Et pas très intuitif quand il s'agit des remplacements, des changements colorimétriques. Du coup, je vais d'abord faire tout mon traitement au mieux que je puisse faire sur PixInsight. Et une fois que j'ai terminé, je vais passer sous Photoshop pour venir peaufiner un petit peu les couleurs. Et aussi, je trouve que la gestion du prix sous Photoshop est vraiment pas trop mal. Du coup, je vais y appliquer un petit changement, une réduction de bruit finale sous Photoshop. Donc voilà, est-ce qu'on peut voir en avant-après? Alors, bien sûr, il faut mieux zoomer avant et après. Bon, là, ça fait des petits halos noirs quand même autour des étoiles. Peut-être un peu fort. Alors, si je reprends des convolutions. Et j'étais à combien? 300? Ouais, c'était un peu fort là. 600. Après, c'est par itération vraiment, hein. Faut trouver les bons réglages. Alors là, c'est peut-être que les étoiles n'étaient pas protégées par mon masque d'étoiles. Bon, on va passer, mais vous avez compris le principe. Hop, on va réappliquer. Je fais tout sous PixInsight, oui, mon empilement, c'est. Donc tu pourras regarder le début de la vidéo, j'explique comment je le fais. C'était un gros morceau à expliquer parce que je le fais tout avec les scripts et non pas avec les scripts indépendants. Je le fais pas avec le script général type DSS. Donc je fais vraiment. Voilà, je dois avoir la main sur tout ce que je fais. Donc c'est pour ça que je le fais avec ça. Et puis au final, quand on a l'habitude, ça va quand même relativement vite. Bon voilà, donc ça c'est la première chose qu'on a faite. Donc on a redonné du détail à notre galaxie. On peut refaire un avant-après. Donc avant-après, on peut voir.
Alors là, je zoome, là je suis à deux fois, mais on peut voir avant et après, ça redonne quand même du détail. On va en redonner plus tard aussi. Voilà. Allez, maintenant on va penser à retirer notre masque. Remove mask. Voilà, donc quand j'ai fait remove mask, on voit qu'ici c'est plus rouge, donc il est plus appliqué. Ouais, on peut croire que PixInsight était compliqué, mais en fait, quand on a compris et qu'on a fait un petit peu une organisation comme j'ai fait là, même si c'est un peu désordonné, il faut vraiment que je le refasse, mais à chaque fois j'ai la flemme. Mais dès qu'on a fait ces petits processus, en fait, on a juste à cliquer les uns après les autres pour avoir tous nos processus les uns après les autres, comment dire, avec les réglages qui sont déjà bons. Donc, c'est quand même très pratique. Après, voilà, c'est comme tout logiciel, si on ne protège pas le logiciel, c'est mort. C'est très compliqué au début, mais au final, avec les tutos, on s'en sort quand même pas trop mal. Alors maintenant, bon, j'ai envie de dire que je vais faire quelque chose de très classique pour vous montrer, mais j'ai peut-être pas pris la bonne image parce qu'elle est vraiment pas bruitée du tout, mon image. D'ailleurs, c'est un truc de dingue cette image. Donc, avant même de continuer, d'habitude, j'ai l'habitude de faire donc du denoise, donc de la diminution de bruit. Donc, je vais venir sélectionner ici donc une partie où il y a du noir, du fond du ciel et des étoiles. Ensuite, donc on va réutiliser notre masque d'étoile. Sauf que celui-là, je le trouve pas terrible pour ça. Donc, on a une autre technique. Donc, on va la réouvrir là. On va faire. Alors, je vais passer un peu rapidement. Donc, en fait, il y a des techniques pour faire des masques. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus qui parle des différents masques. Mais je vais pas m'attarder dessus parce que je vois que ça dure quand même assez longtemps. Donc hop, même ça c'est pour faire de l'histogramme rapidement. Voilà. Hop. Et ici on a une méthode pour faire un joli masque. Donc là on veut donc le fond du ciel. On veut traiter notre fond du ciel, donc on veut qu'il soit totalement blanc. Mais on veut protéger notre galaxie, donc on veut qu'elle soit totalement noire. Donc là il faut trouver le bon compromis. Voilà, on va essayer de rester quelque chose sur quelque chose comme ça. Hop, on l'applique là. Et voilà, maintenant on a un masque inversé. Donc ça c'est un masque qui va nous servir tout le temps pour venir régler le fond du ciel. Par exemple, quand on veut diminuer la luminosité, donc la couleur du fond du ciel, puisque on a du gros gradient, il y a une technique qui permet en fait de désaturer le fond du ciel, donc grâce au masque. Là on va venir désaturer le fond du ciel grâce en fait tout ce qui est blanc notre traitement sera appliqué. Mais bon après. Il faut passer beaucoup de temps sur les masques, hein, d'habitude. Il faut vraiment qu'ils soient parfaits. C'est très très important. C'est primordial même. Donc là, je vais appliquer mon masque. Donc pour voir qu'il est appliqué, on voit toujours qu'il est marron en haut et on fait show masque. On voit ici que la galaxie est protégée, mais que le fond du ciel n'est pas protégé. Donc là, on va venir appliquer un traitement à notre fond du ciel. Voilà. Et on va venir ici. Là-dessus. Alors là, je vous montre, je vais peut-être pas l'appliquer, mais c'est vraiment pour vous montrer comment on peut venir régler le bruit, ce qui est horrible sur les photos, comment on peut venir régler le bruit du fond du ciel avec PixInsight. Donc moi, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'aime bien le Denoise ATW, en fait, c'est A True Wavelet Transform. À la base, c'est un processus qui permet, de la même façon qu'on va venir traiter les ondelettes de nos images de planète, à la base, c'est fait pour augmenter le détail. Sauf qu'il a une petite chose très très pratique et ultra puissant dedans, c'est le denoise. Donc on va pas s'en priver, on va l'utiliser. Donc ça s'appelle K-Sigma Noise Threshold. Après vous pouvez aussi utiliser le noise réduction que vous allez appliquer en fonction de vos couches. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un peu trop compliqué. Moi j'utilise que très peu, je préfère utiliser celui-là. Donc comment on va faire? Et bien on va faire un preview. Alors là on voit que ça lisse énormément. Donc ici c'est la force du lissage. Et ici c'est le pourcentage de cette force en fait. Donc on peut appliquer en fait on va venir créer un flou sur certains gros détails. Plus ce chiffre-là est gros, plus ce sera sur du gros détail. Et ici plutôt la force. Voilà le pourcentage. Ça c'est plutôt du pourcentage. Bon, il faut rester plutôt autour de entre 1 et 2. Et voilà, vous baissez votre pourcentage jusqu'à avoir quelque chose.
C'est pas trop mal. Après, je pense que je vais pas l'utiliser, mais donc après, vous pouvez, hop, pardon, vous pouvez l'appliquer sur votre petit preview ici, ce qui permet, quoique c'est pas mal, ce qui permet de faire un avant-après. Alors YouTube, je sais pas si vous verrez bien, là c'était avant et là c'est après. Avant-après, je vais zoomer. Avant-après, avant-après. On voit que c'est un peu mieux quand même. Et on garde nos détails quand même sur nos zones protégées par notre masque. Et ici, donc là c'est avant, après. Avant, après. On va l'appliquer. Hop, allez, on l'applique. Voilà. Eh bien, ma foi, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, même si c'est déjà bien sérieux. Alors j'espère que vous avez le temps parce que un traitement ça peut durer moi une demi-journée, hein, même toute une après-midi sans compter le pré-traitement. Souvent je fais le pré-traitement le matin et j'attaque l'après-midi une photo. Ok, alors maintenant je vous le rappelle que mon image n'est pas comme ça, mais elle est comme ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire une montée d'histogramme. Ça vous devez sûrement connaître, hein, c'est pareil sous Photoshop, c'est pareil dans tous les logiciels d'astronomie, hein, si on fait une montée d'histogramme. Classique. Donc on va faire histogramme transform. On vient sélectionner notre photo. On clique sur la petite flèche ici pour dire bah, je veux que tu me montres l'histogramme de l'image que j'ai sélectionnée. Donc on voit que l'histogramme est tout bloqué ici. Quand je vous parlais des flats tout à l'heure, quand vous verrez sur votre appareil photo votre histogramme, donc je zoome, il est là. Et bien en fait, quand je dis aux deux tiers, c'est vous faites des temps de pause et des essais, vous faites en sorte que votre histogramme pointe son nez par là. Voilà. Donc, la même chose qu'ici, mais tout à droite. Bon, maintenant on va utiliser nos deux petits curseurs. Donc ici le noir, on vient régler le noir. Ici on vient régler donc j'appelle ça le gris, mais c'est pas vraiment le gris, c'est les tons moyens. Et on va venir monter les tons moyens. Donc on peut voir que donc ça c'est l'histogramme comme il est actuellement. Ça c'est l'histogramme comment il sera après application. Et on applique ou avec le carré ou avec la petite flèche. Voilà, hop, on peut voir ici que la galaxie se révèle. Bien entendu, vous pouvez cliquer ici, ça vous met directement un petit preview. Alors, il a gardé mon réglage, c'est pour ça que le preview il montre une galaxie toute dégueulasse. On va cliquer ici sur Reset et on continue. Hop, on se décale, on se décale. On voit l'histogramme qui se décale. Donc, ici c'est les blancs, ici c'est les noirs. Donc, elle augmente en luminosité. Voilà, on vient remettre notre point noir. Ici, pour que le fond du ciel y revienne normal. Et voilà. Alors, on va s'arrêter là juste 2 secondes pour vous montrer une autre petite chose que j'aime bien. Alors là, ça dépendra vraiment de vos images. Hein. Si vous avez des images avec beaucoup de dynamique, vous avez des zones très très claires, comme des étoiles très brillantes, et des zones que vous voulez révéler parce que vous avez le signal, vous avez envie de révéler les bas signaux que vous avez, et bien il y a quelque chose qui est très pratique, c'est le masked stretch. Alors pour le gain de la caméra, non, tu laisses à ISO les mêmes ISO que tu avais avant. Voilà, moi normalement pareil que pour tes dark et offset, tu gardes le même ISO avec lequel tu as fait tes photos. Bon après je suis pas sûr, je dis peut-être une bêtise hein, franchement, mais je pense que ça n'aura pas beaucoup de... Bon, ouais, je pense pas que ça jouera sur grand-chose hein, parce qu'il y a beaucoup de signal, au pire tu baisses tes ISO. Tu baisses tes ISO ou ton gain pour avoir le moins de bruit possible, ça évitera d'en rajouter à l'image. Moi je le ferai comme ça. Après j'ai manque d'expérience en APN. Ou en caméra couleur ou caméra CMOS, pour utiliser des caméras CCD qui n'ont pas de gain. Donc là-dessus, faudra... ouais, c'est une bonne question, tiens, tiens, je m'en renseignerai. Donc pour revenir à Masked Stretch, ça permet donc de venir, à chaque fois qu'il va venir monter l'histogramme en automatique, il va venir appliquer un masque de luminance sur les zones les plus claires pour les protéger et pour éviter qu'elles deviennent de plus en plus claires. Donc en fait, on va venir monter les bas signaux tout en contenant les hauts signaux. Moi je l'applique toujours, enfin je l'applique toujours quand je l'applique après déjà avoir fait plusieurs montées d'histogramme classiques. Donc pour vous donner une idée, parce que là je trouve que c'est pas très nécessaire, on va venir l'ouvrir comme ceci. Personnellement, je touche pas au reste, je l'applique comme ça. Sinon, vous pouvez créer une petite preview des zones sombres, mais bon, moi je trouve que c'est pas nécessaire.
Alors sur ce type d'image, hein, moi je trouve que c'est plus rentable sur les nébuleuses, les galaxies c'est pas terrible. Moi je trouve que ça rend pas terrible, donc comme vous pouvez le voir, c'est bof bof. Donc, mais bon, faut savoir que ça existe, hein, ça contient les étoiles. Donc nous on va continuer avec notre histogramme classique. C'était le petit passage par Masked Stretch. Allez, hop, on monte encore notre histogramme, on applique. J'ai de la chance, cette galaxie, elle est vraiment. Faut que je la réessaye avec le Newton pour voir, mais la lunette, elle a vraiment donné un bon résultat. Voilà. Allez, on va rester comme ça. On va rester comme ça. C'est pas trop mal. Maintenant, on va redonner un petit peu de contraste avec des courbes. Donc on peut monter un petit peu. Voilà. Donc souvent c'est en S, hein, pour donner, voilà, un peu de contraste. Ok. Et là, on voit que ça a quand même monté la luminosité du centre. Et quand ça monte trop, eh ben on perd un peu de détails. Il y a quelque chose qui nous permet de faire un semblant d'HDR. Aussi, c'est HDR Multiscale Transform. Alors, celui-là, c'est pareil, c'est par itération. Faut faire des essais. Ou on applique un masque, ou on lui demande de faire lui-même un masque en cochant la case. Bon, bien sûr, on coche la deringuing, ça évite d'avoir des halos noirs. Et là, on vient sélectionner dans quel type de détails, les plus petits ou les plus gros, on veut venir. Toucher. Alors, hop, on fait glisser et on regarde. Là, on voit que c'est peut-être un peu beaucoup. On va essayer avec ça. Voilà, on voit que ça, donc là l'avant, l'après, on voit que ça, on révèle un peu le centre. Ça peut être super pratique par exemple sur sur M31. D'ailleurs que je compte faire quand il fera beau. D'ailleurs, il faudra que je fasse une mauvaise ZX. C'est un gros projet que j'ai depuis un moment là. Alors sinon, pour voir le résultat, si il est pas mieux avec un masque, on peut mettre le masque. Voilà. Après, c'est peut-être pas non plus très nécessaire, mais on va le laisser comme ça. Au moins, ça mérite de montrer les processus, quelques processus. Alors, tiens, tant qu'on y est, on va remettre le masque parce qu'il y a une autre petite chose qui permet de donner du détail, c'est N-Sharp Mask que j'aime bien. Alors, on va faire donc là-dessus. Alors là, par contre, faut y aller mollo. Ouais, c'est pas mal ça. Je zoome, comme ça vous voyez mieux. Voilà, là on voit bien les détails dans cette petite nébuleuse, c'est sympa. Allez, on l'applique à l'image. Voilà. L'avant, l'après. On peut voir dans les petites zones, là, c'est bien sympa. Bon, on peut dire que notre luminance est à peu près terminée. Maintenant, on va aller faire la couleur. Décidément, je regarde de l'autre côté, c'est pas bon. On va regarder maintenant la couleur pour ensuite intégrer la luminance à la couleur et peaufiner ensuite notre réglage pour avoir une visualisation complète de notre galaxie. On va mettre celle-ci de côté. Ça aussi. Et on va reprendre notre RVB. Masque fond du ciel. Voilà. Donc voilà notre image couleur. Donc ça c'est la couleur. Donc ici, alors il y a quelque chose qu'on va faire qu'on n'a pas fait avant. Là on voit qu'à cause de l'alignement des
des images qui étaient un petit peu décalées, eh bien on a des petites voilà, des zones noires. Donc on va enlever ces zones noires. Donc avec un processus qui s'appelle Dynamic Crop. Allez, on va venir la sectionner comme ça. Voilà, comme ça on enlève toutes ces bandes noires. Et bien sûr, il va falloir cropper de la même façon notre image de luminance. Donc la petite technique, c'est au lieu de venir appliquer ça sur l'image, on vient la faire glisser et on la met à côté. Ça permet d'enregistrer tous les réglages que j'ai appliqués. Donc c'est exactement de la même façon que j'ai fait toutes ces petites icônes. Et ensuite, on peut enregistrer toutes ces icônes dans un process icône qu'on appelle ça, qui nous permet donc de les reloader pour pouvoir les réutiliser après. Ça, c'est vraiment un point super fort, ça nous fait gagner un temps monstre. Allez, on applique à l'image, on ferme, on va tout de suite l'appliquer sur notre image de luminance. Hop, on fait glisser. Oui. Bien entendu, bah, les masques ils vont plus être bons, donc on va appliquer aussi au masque. Voilà. Et Star Mask. Ça, c'est le petit truc un peu chiant. Voilà. Donc juste pour voir si c'est bon, si je fais ça, normalement le masque il s'applique, ça s'applique. Donc c'est tout bon. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur cette image? Première chose, eh bien le fond du ciel, il est un petit peu, voilà, il est un petit peu vert, un petit peu rouge. Il est un petit peu verdâtre, voilà, on voit que les couleurs sont verdâtres, c'est plutôt classique comme image. Donc on va y appliquer donc notre dynamique background extraction. Alors on va tenter un truc. Il y en a un qui fait tout ça automatiquement. On va essayer de l'utiliser pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc je sais plus si je crois qu'il faut baisser ça. Soustraction, normaliser et on remplace l'image. Hop, on l'applique, on va voir. Quel effet ça a? Hop. Alors voilà ce que ça a détecté dans notre image. Est-ce que c'est bien? C'est un peu bizarre quand même. Ouais, c'est un peu bizarre. On va essayer le 3. J'aime pas, c'est quand je vois que ça fait des halos plus foncés tout autour, là c'est que ça a pas bien marché. Bref, on va pas l'utiliser, on fera autrement. Ok, alors bien entendu, comme tout à l'heure, notre image elle est comme ceci et non pas comme cela. Donc là, on va tout de suite faire une montée d'histogramme. Non, qu'est-ce que je dis? On va faire une calibration des couleurs et une neutralisation du fond du ciel. Donc c'est-à-dire, voilà, on va rendre les bonnes couleurs à notre image. Donc on va faire deux previews. Donc on va faire une preview sur une zone noire, par exemple ici, et une autre preview sur une zone claire, qui est la galaxie si on veut l'utiliser. D'ailleurs, je vais retirer ce petit truc là avant. Alors, c'est celui que connaît Photoshop, il connaît ce petit tampon là. Hop, c'est magique, il n'y a plus rien. Voilà. Donc maintenant, on va venir utiliser le background neutralisation, donc on va venir neutraliser le fond du ciel, c'est-à-dire voilà la couleur rougeâtre là, la verte, on faut pas trop s'en préoccuper tout de suite. Et on va venir donc sectionner donc notre petit preview 1 ici qui est sur la RVB, RVB preview 1, on clique OK. Alors ici c'est la limite de luminosité du fond du ciel à laquelle il va s'arrêter, il va arrêter ses calculs. Donc en fait on peut voir en bas ici. On a des relevés, non, ici. On a des petits relevés ici, donc 0,026. Donc on voit que le fond du ciel, il ne dépasse pas les 0,026. Donc on peut laisser 0,1. Voilà, il n'y aura pas de problème. Si votre fond du ciel, par contre, était beaucoup plus élevé,
Eh bien, par exemple, à 0,15, parce que vous avez shooté pendant la lune, il va falloir faire, faudra marquer 0,15. Donc voilà, première étape de réaliser. Ensuite, on va faire une calibration des couleurs. Donc ici, on va venir sélectionner notre référence de blanc. Notre référence de blanc, c'est quoi? Ben, en fait, c'est notre galaxie. Donc on va venir sur la preview 2. Ici, des structures détection, c'est si vous faites en fait votre balance des blancs sur les étoiles. Ici, on va le faire sur voilà ce qui détecte dans la galaxie. Donc, on va décocher la case. Et ici, on va venir reprendre notre fond du ciel de tout à l'heure, preview 1. Bon, je comprends que celui qui parle pas anglais, c'est un peu compliqué pour lui, hein. Donc on appuie OK, hop, voilà, là maintenant ça fait une balance des blancs. Et voilà, notre galaxie. Alors on peut voir que c'est toujours pas bon, on a toujours une pseudo-teinte verte. On viendra la traiter un peu plus tard avec un super truc qui nous permet d'enlever toutes ces petites teintes vertes. Je pense que ceux qui ont l'habitude des appareils photo numériques ont l'habitude, hein. Souvent avec ces types d'appareils on a une grosse teinte verte. Bon, vous allez voir, c'est formidable. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va faire une montée d'histogramme. Donc avec histogramme transform, on vient sélectionner notre image. On peut mettre le preview et rebelote, c'est pareil que tout à l'heure. Hop, on vient monter l'histogramme. Hop. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la galaxie nous paraisse plutôt cohérente. Alors là, faut pas avoir peur du bruit. Le bruit, là, on s'en fout. Bon, voilà, c'est à peu près pas mal. On va finir avec une petite courbe. Voilà. Et on va laisser comme ça. Alors maintenant, on va venir régler cette histoire de verte, de teinte verte. Alors, comment moi je viens régler cette teinte? Souvent, elle est très visible dans les parties jaunâtres de l'image. Et qu'est-ce qu'on retrouve en jaune? On va retrouver des étoiles jaunes. Donc en fait, on va faire une petite preview sur l'étoile jaune qui est là, qui est à peu près jaune. On voit quand même qu'il y a une teinte verte. Et on va venir utiliser notre SCNR. Bon, celui-là par exemple. Et on va venir appliquer. Donc là, c'est le pourcentage d'application. Donc on va utiliser une force de 0, de 70% au lieu du 100% par exemple. Voilà, donc on peut voir. Donc ça, c'est l'avant, l'après, l'avant, l'après. On voit que toute cette teinte verte est partie. Donc c'est pas mal. Donc on va appliquer sur l'image entière. Voilà. Alors, est-ce que ça mériterait plus ou moins? J'ai l'impression que du coup ça tire vers le rouge. Alors pour en être sûr, histogramme. Alors oui, une autre information, si vous avez téléchargé mes fichiers, oui celui-là, tiens, tu parles du HLVG, c'est le petit script qu'on peut retrouver sur Photoshop, hein, c'est à peu près pareil. Si vous avez téléchargé mes fichiers sur mon site internet, comme c'est marqué dans la description, j'ai fait exprès de les mettre en 16 bits. Dans tous les cas, sous Photoshop, sous PixInsight, je travaille toujours en 32 bits. D'ailleurs, ça me fait penser parce qu'en fait, on voit tous ces stries-là. En fait, c'est que quand on étire, voilà, il y a des, enfin, quand on étire l'histogramme sur des fichiers qui n'ont pas beaucoup de dynamique. Et ben en fait, on se retrouve avec des pertes. Enfin bref, l'histogramme paraît bizarre, c'est ça que ça me fait penser. Donc pourquoi je vous les ai envoyés en 16 bits? Tout simplement parce que si vous voulez les utiliser sous Photoshop, hein, pour vous entraîner avec des fichiers qui sont quand même relativement bons, hein, vraiment cette galaxie est très bonne, et ben vous pouvez vous entraîner sous Photoshop par exemple si vous avez Photoshop ou un autre logiciel. Exemple, si vous avez Cyril, qui est un logiciel gratuit, vous pouvez aussi les utiliser. Ça vous entraînera aussi à vos heures perdues.
Alors. Allez, non, c'est pas trop mal. Allez, on va laisser comme ça. Alors maintenant, on va faire deux choses. On va supprimer la saturation du fond du ciel pour que le ciel soit noir et non pas un peu teinté. Et on va augmenter un petit peu la saturation de notre galaxie. Alors, une petite chose qu'on va faire avant, par exemple, j'aime bien remettre exactement le même réglage que l'autre. Alors, c'était le masque L. Mine de rien, on va s'approcher de la fin de ce tuto parce que au final, on a presque fini. Donc, on va mettre. Si je fais ça. Non, c'est pas terrible. Alors c'est pareil, je sais jamais. Est-ce que je mets le masque? Est-ce que je mets pas le masque? Ou est-ce que j'utilise celui du logiciel, du processus? Le seul moyen, c'est de tester. Bon, c'est pas mal ça. J'aime bien. Par contre, je vais redonner un petit peu plus de cours quand même. C'est que là, du coup, on a récupéré quand même du détail à l'intérieur et on peut venir peaufiner après avec ça. Voilà, allez, on va laisser comme ça. On va venir juste donc utiliser notre masque, pas celui-là, l'autre. Notre masque du fond du ciel ici pour désaturer donc le fond du ciel. C'est une très bonne technique, ça. J'adore. Donc saturation. Voilà, on vient faire un petit carré par exemple ici et on vient désaturer tout simplement en baissant la saturation. Et on voit bien donc l'avant, l'après, que notre teinte bleutée s'en est allée. Bien sûr, pour faire ça, il faut que votre masque soit parfait. Hein. Là, je suis très loin d'avoir un masque parfait, donc on va perdre un petit peu de saturation dans la galaxie. Bon. Voilà. Très bien, et ben écoutez, on va attaquer maintenant en mode LRGB. Donc là, on a fait la RGB. On a fait la L. Maintenant, on va intégrer donc la luminance. On va intégrer plutôt la RVB à la luminance. Alors, bien sûr, on n'oublie pas, comme je disais, d'enlever le masque, remove mask. Et alors, pour ce faire, donc on va utiliser le même processus que tout à l'heure, le LRVB combination. Sauf que cette fois, au lieu d'utiliser RGB en décochant L, on fait l'inverse, on coche L et on décoche les autres, donc en fait on va appliquer la luminance à l'RVB. C'est un peu l'inverse. Donc on va essayer de faire donc un peu de réduction du bruit de notre couche couleur. Donc comme ça, grâce à ça, on n'a pas besoin de le faire avant. On va le faire, le script il va directement le faire. Hop, et on fait glisser donc sur la couche couleur où on veut appliquer. Ah mince. Alors, c'était le nom. Voilà. Et là, on arrive quasiment au bout de notre traitement. Voilà. Donc, on peut voir l'avant, l'après. Donc là, on récupère les détails. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une augmentation de saturation directement avec ce petit script. En fait, on va décocher ça et on va augmenter la saturation en diminuant le curseur. Bon, c'est un peu à l'envers, je dirais, celui-là, mais bon, c'est pas grave. On va pas aller plus loin. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, on va peaufiner pour terminer notre galaxie. Donc, on va continuer un petit peu avec les courbes. Pas trop parce que hop, pas trop ça sert à rien.
Quand c'est trop, c'est trop. Alors là, maintenant, c'est au goût de chacun. Après, je reviens à peu près sur ce que j'avais fait déjà il y a un moment. Voilà. Après, il y a plein d'autres techniques pour supprimer ces halos, pour éviter que ce soit trop. Voilà, après. De toute façon, on va réduire les étoiles après. Donc maintenant, ce qu'on va faire. On va appliquer un masque. Parce qu'on va augmenter la saturation de notre galaxie et de nos étoiles. Donc ici, on le voit à peine, hein, y a un petit rond là qui nous permet d'augmenter toute la saturation. Ou alors ici, vous pouvez augmenter dans le vert et les couleurs. Voilà, moi j'ai envie de faire une petite chose. C'est augmenter un petit peu la saturation là-dedans. De cette petite nébuleuse rouge. Donc on va augmenter dans le rouge ici. Pour savoir où c'est que la couleur, bon, en fait on vient cliquer dessus, ça crée une petite barre qui nous montre un peu où se trouve la couleur, donc on sait qu'on est là. On va créer des petits points pour venir éviter de saturer le reste. Voilà. Alors faut savoir que cette Oui, je suis sur le forum Web Astro, hein, Cartinvor. Après, j'y suis pas trop souvent en ce moment parce que si personne sait. Je suis nouveau papa, là j'ai la chance d'être tout seul parce que ma famille est partie pour le week-end. Mais là, j'ai pas le temps, c'est un truc de fou. Mais oui, je suis sur Web Astro. D'ailleurs, j'ai changé, je crois que c'est Carbune Astronaute, j'ai marqué le nom astronaute dedans. Voilà, donc on peut voir la petite nébuleuse qui augmente bien en saturation. On peut peut-être y mettre un deuxième coup. Ah, ça fera trop, je pense. Ouf. Alors cette photo, faut savoir que là, ça montre vraiment la qualité de ce capteur. Elle est vraiment formidable, cette caméra. Elle est magnifique. La TIC460X, là, le capteur Sony de chez Sony, l'IMX 600, oh, je sais plus. Bref, il est vraiment ultra sensible dans le H-alpha. Là, c'est une image, elle n'est même pas faite de couche H-alpha. Hein, et vous verrez que beaucoup de personnes qui vont faire de la photo vont rajouter en plus sur cette galaxie une couche H-alpha pour faire ressortir les nébulosités. Ici, on voit tout de suite que elles y sont, les nébulosités. Hein, c'est même pas besoin d'H-alpha. Hein. C'est vraiment. Cette caméra, c'est un truc de malade. J'aurais beaucoup, beaucoup de mal à m'en séparer. Hein. Ce qui manque, ce serait un petit peu plus de champ, mais bon, on va pas s'en plaindre. Je suis vraiment dans. Allez, j'ai 0,8 degrés, 0,7 degrés. Donc, c'est juste ce qu'il faut pas moins. Alors, bon, maintenant, on va. Hop, par contre, non, je reviens comme ça. Parce que. Donc là, je vais augmenter la saturation globale. Voilà, est-ce que je mettrais pas un petit coup en plus? Allez, le bleu des étoiles est très bleu. Hein. Alors, c'est pareil, il y a d'autres techniques qui nous permettent de supprimer les étoiles de notre masse de luminance. Donc ça a pour but, du coup, si on supprime les étoiles, on va venir traiter uniquement la galaxie. Là, je le fais pas parce que c'est des opérations mathématiques, en fait, grâce à un processus ici. Parce que je pense que là pour l'instant il y a déjà eu beaucoup de choses de vues. Ça s'appelle Pixel Math. Voilà. En fait, on va lui dire ben tu me mets par exemple. Ici on a nos. Pour vous montrer juste, hein, je vais pas le faire, mais. Par exemple, on sait que je veux supprimer de mon image de luminance, mon masque de luminance, ici. Je veux supprimer en fait mon masque d'étoile. Donc masque d'étoile, c'est Star Mask. Voilà, donc en fait, on fait masque de luminance moins Star Mask. En fait, tout ce qui est blanc sur Star Mask va devenir. Bon, après, c'est une opération mathématique des pixels. Donc c'est blanc plus blanc égale blanc.
Blanc moins blanc bah, égale noir, enfin, etc. Quoi. Vous comprenez le truc. Ce qui nous permet en fait de générer une image artificielle en supprimant certaines choses dans l'image. C'est un peu, un peu compliqué. Mais en faisant ça, on arrive à faire des masques où on n'aura plus d'étoiles et qui nous permettent de traiter uniquement la galaxie. C'est pour ça que ici, quand j'augmente la saturation, d'ailleurs, je pourrais le faire autrement que ça, mais bon. Là, en augmentant la saturation avec le masque qui est celui-ci, et ben forcément, j'augmente la saturation des étoiles. Donc là, c'est un peu dégueulasse là. Hein. Bref, voilà. Je trouve que mon fond du ciel est encore un peu. On va le diminuer. Donc pour peaufiner, on va. Ah, on voit que mes couches couleurs sont pas alignées là. Alors, petite astuce pour réaligner, on voit que les pointes là sont pas tout à fait en face, ça veut dire qu'il y a un décalage des couches. Bon, vous pouvez venir sélectionner une seule couche et puis revenir recadrer. Hein. Voilà, c'est un peu mieux là. Hop, et pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Et on revient sur notre RGB. Et on va venir un petit peu diminuer. Alors, deux méthodes pour diminuer le fond du ciel, c'est où on vient ici. Sauf que ça aura tendance à générer, si vous aimez bien, comme moi, vous aimez bien que toutes vos images aient le même fond du ciel pour que sur votre galerie, par exemple, strobine, il n'y a pas de différence, on voit des luminosités. Enfin bref, là, je suis un peu fou, je sais pas. Eh bien, en fait, il y a un petit script qui permet ici de régler un fond du ciel qui est donc pré-réglé. Donc on l'utilise et sur chaque image que vous voulez, et à chaque fois il va régler donc les points noirs sur une certaine valeur. Et du coup vous avez une homogénéisation de toutes vos photos sur vos galeries, c'est sympa. Donc ici moi j'ai réglé un point noir à 0,08, je le fais glisser. Et là on voit que la luminosité donc de ma galaxie a diminué. Hop, voilà. Et ça c'est mon réglage de base. Alors, maintenant, dernière chose à faire, on va faire une diminution des étoiles pour que voilà, ça rende l'image un peu plus fine. Donc, on va appliquer notre Star Mask. Donc, je vous le montre. Ici, on va venir appliquer un réglage sur toutes les étoiles qui sont ici. D'ailleurs, on voit que mon masque n'était pas du tout bon, hein. Il a gardé ça. Il a gardé certaines parties de la galaxie, ça il faut supprimer. Hein. Donc mon masque n'était pas bon de base. Après on peut le supprimer comme ça, mais pff, ça va prendre du temps au tampon, ça sert à rien. C'est pas bien grave. Donc maintenant pour réduire nos étoiles, eh bien on va utiliser un processus qui s'appelle ici donc Morphological Transform. Alors là il y a plein de réglages, hein. Il faut regarder ce qui vous plaît le plus. Moi souvent j'utilise le réglage de base où je viens régler un peu la puissance du traitement. Donc maintenant hop, on va venir faire glisser directement. Et on peut voir un avant après. Avant, après, avant, après, avant et après. Après si c'est trop fort, hop, on diminue. On revient. Ou après, il y a une technique aussi qui permet de le faire en plusieurs passes. On fait d'abord quelque chose qui n'est pas très fort, et petit à petit, comme ça, on augmente petit à petit donc la diminution. Et voilà. Alors, on va enlever les previews. Et voilà, après notre image finale. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'elle vous plaît cette image. Après c'est bon les goûts et les couleurs. On pourrait encore continuer pour révéler un peu plus les parties sombres, mais je vois qu'il est déjà 23h, on va pas faire une vidéo qui va durer 10 heures et 10 ans. Alors profitez-en, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je peux rester encore un petit peu. Et par exemple là, hop, tiens, on voit qu'il y a un petit défaut dans l'étoile là. Ça c'est le problème de certains traitements sur les étoiles qui sont très lumineuses.
Après, on peut corriger ça avec un tampon, mais souvent, c'est pas terrible. Non, je fais plus de dégâts qu'autre chose. Le tampon Photoshop, il marchera peut-être mieux. Je pense qu'avec celle-là en haut aussi. Ça, c'est sûrement un défaut de masque aussi. Toutes les grosses étoiles longues. Bon, bah voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, c'est pas impossible que je refasse un petit peu des traitements comme ça sur les futures images. Mais après c'est des vidéos qui restent longues, qui ne sont pas forcément. De le faire en live, c'est peut-être pas forcément obligé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Ou si vous voulez que je fasse par exemple, que je continue des tutos sur PixInsight sur différents thèmes ou sur différents processus particuliers, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire, là j'ai survolé enfin, le pré-traitement, mais ça peut prendre une grosse vidéo pour expliquer comment bien peaufiner et augmenter le rapport signal sur bruit de l'image au pré-traitement, ce qui permet pas Deep Sky Stacker ou le processus, le script. Alors j'aimerais bien le retrouver. Le script qui fait un peu la même chose sous PixInsight. Bon, je trouverai pas. Alors, PixInsight, on va parler un petit peu du logiciel. Il fait encore énormément de choses. Il va faire de l'astrométrie, ce qui nous permet, par exemple, si vous avez une photo avec plein de galaxies que vous voulez faire comme sur Astrobin, faire des petits ronds avec les noms qui sont indiqués automatiquement sur l'image. PixInsight le fait très bien. Il étudie aussi vos photos, donc qui va vous donner donc la qualité de votre ciel, la FWHM comme on a vu tout à l'heure. Il y a plein de trucs comme ça. Pour moi, c'est au bout d'un moment, quand vous ferez de la photo au plus sérieux, eh bien, il ne faut pas hésiter à lâcher ce logiciel. Pour moi, il y a deux logiciels indispensables en astrophotographie. C'est un logiciel d'acquisition, il faut un bon logiciel d'acquisition, parce qu'un jour, si vous commencez, enfin même en nomade ça marche, hein, à vouloir automatiser une soirée, eh bien un bon logiciel d'acquisition c'est indispensable. Il faut qu'il fasse donc de l'astrométrie, il faut qu'il fasse donc de l'acquisition en mode automatique, avec focalisation automatique. Et pour moi, je vais faire un peu la pub à Cyril Cavador, mais son logiciel Prism, pour moi, il est vraiment formidable, quoi. Et il fait quelque chose que d'autres ne font pas, et qui peut être très très marrant. Franchement, c'est excellent. Moi, j'aime bien passer mes photos comme ça en revue par le logiciel. C'est tout ce qui est détection d'astéroïdes. Mais c'est juste génial de retrouver un astéroïde sur sa photo. Tu vois, bah, dis donc, il y avait ça qui est passé par là. D'avoir son nom, d'avoir sa magnitude, des calculs de magnitude d'astéroïdes ou de comètes. Il y a aussi, par exemple, il y a une supernova dans une galaxie, et ben on peut faire des. Moi j'en ai fait d'ailleurs, des calculs de magnitude de supernova. Si vous avez l'occasion d'aller prendre 2-3 photos, par exemple lors d'une séance photo, vous faites une photo d'une galaxie qui n'a rien à voir avec celle où il y a la supernova, et bien vous passez juste prendre 2-3 photos dessus, et si vous arrivez à prendre ça comme ça plusieurs jours d'affilée, vous pouvez voir l'évolution de la luminosité par vous-même de cette supernova. Moi, je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Et voilà, donc PixInsight et Prism, deux logiciels. Bon, bah par contre, ça vous coupez un bras et puis l'autre bras. Hein. Après, comme je dis, hein, moi je vais pas m'en cacher, j'ai la chance d'avoir les moyens d'avoir du matériel. Au final, c'est un pourcent, c'est un certain pourcentage du matériel que j'ai, quoi, si j'ai calculé ça comme ça en fait. Donc, et ça, vous êtes tellement dans la photo, et quand vous avez PixInsight, mais vous faites un bond énorme tout de suite avec même des vieilles photos, vous allez faire un bond énorme dans le traitement photo, et vous allez magnifier vos photos en un seul coup. Et en très peu de temps, ça prend quand même relativement vite. Ah bah mon pauvre, il fait combien dehors là? Michel. NGC 7822. C'est quoi, c'est une galaxie? Ah
Bon, en tout cas, ça m'aura bien fait plaisir de refaire un live. J'avais pas eu trop l'occasion d'en faire ces derniers temps, déjà pour la météo et puis pour ma vie personnelle. Donc, sur ce, bah, je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel. Et moi, je vais faire un petit tour, tiens, sur KSP qui pourrait mettre une petite fusée en orbite et peut-être même marcher sur la Lune. Allez, bon ciel à tous. Merci, au revoir.